Yep, les amis. Troisième volet d'un exercice que je vous ai donné, genre... Et on tient la basse. À la croche, on peut le faire moins vite aussi. Hein. Un peu à la sioux. Et on chante dans sa tronche. Mais il faut que ça chante sur une gamme. Pour l'instant, on chante pinta mineur. Des conseils, mais il y a un troisième truc que je voudrais aborder, c'est que vous avez souvent des problèmes un peu d'indépendance parce que votre pouce arrête pas de lâcher. Vous m'envoyez des trucs, vous faites. Ça va pas un clou. C'est pas ça qu'il faut faire. Parce que là, ce que vous faites, c'est que vous tenez un peu de basse, puis après vous partez en solo avec vos trucs habituels où c'est pas rythmique. Il faut donner la valeur de cet exercice, c'est très simple, c'est que dalle. Il faut jouer peu de notes, qu'elles soient toutes chantables, vraiment que ce soit comme une mélodie d'indien, d'amérindien, ok, ou un truc blues très primaire, très primitif. Mais surtout, c'est que ces notes-là doivent toutes avoir un sens rythmique. Et donc, si vous avez du mal à indépendantiser ça... Cette ligne-là, je vous la mets dans le PDF. Vous savez. J'ai sans doute fait une variation, là, puisque j'improvise. Hein. Mais vous aurez l'une des deux, d'accord? Le truc, c'est qu'il faut arriver à faire gaffe quand tu fais ting, 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 chiquiting, quand tu fais une des doubles croches. Ta, ta, ta. Inventif au niveau rythmique pour que ça tombe bien, que les phrases finissent en avance, finissent sur le temps, finissent en retard, et puis surtout tenir cette basse. D'accord ? Donc vous pouvez vous entraîner à faire des petits exercices comme par exemple. Ou alors. C'est mauvais ça. Ou alors... ça par cœur en regardant, en le déterminant lentement et en disant le temps il tombe là, il tombe là, il tombe là. C'est des petites cellules en fait. À chaque fois que tu vas avoir ton pouce avec un truc qui te met dedans, c'est ça qu'il faut travailler. Faut dire, qu'est-ce que je voulais faire comme mélodie?
Tu regardes ce que tu voulais faire comme mélodie. Tu voulais faire ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Tu voulais faire ça. Et ben après, tu vas faire. Et tu rajoutes le dessus. Donc, tu regardes où ça tombe. Et tu bosses juste ce petit truc. Et ces petites cellules-là, je t'en mets quelques-unes dans le PDF. On va dire une dizaine d'exercices. Oh, je m'avance un peu, je me fais du boulot. Je me mets du boulot tout seul. Oh, je suis con comme un balai. Bon, je vous mets ça dans le PDF, une dizaine d'exos. Quelques trucs de... Quand c'est apparu, exercice PDF, bah, je vous ai mis ce relevé, les petits exos-là. Mais je vous mets d'autres petits exos pour favoriser l'indépendance entre la ligne mélodique que vous faites avec ces deux doigts-là, par exemple, ou même ces trois, et le pouce. Si vous voulez, vous êtes un maniaque de médiator, faites la basse au médiator et puis les deux autres qui font la mélodie en hybride picking. Mais ça, c'est à vous de voir. Vous aurez sans doute un plus beau son au pouce. Mais si vous n'aimez pas, bah, faut pas faire. Hein, d'accord. Moi, j'aime pas certains. J'aime pas la glace à la mangue. Bah, j'en mange pas. Hein, d'accord. Bon, ben, bye bye. Ciao.